les financiers, les comptables publics, les comptables d'État, l'a déclaré tout haut que Azalina, document, vous avez quoi attester qu'il a payé à 4 reprises les participants ou encore les membres de la commission chargée de suivi de ce programme d'urgence du chef de l'État. Peter Kazadi l'a dit, qu'il n'a participé qu'une seule fois. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on peut participer une seule fois à une réunion, mais on touche l'argent? Marcel Bilomba insiste sur le fait qu'on pouvait aussi donner ces marchés aux ingénieurs congolais. Batonga bandaku na brique na ciment na place à Kosoma, ma maison préfabriquée. Allô? Eh, wa santé, et ça, Misuma? Ah! Mon fils, pour ma santé, Misuma? Ah, pour Katelinga Lingala. Bandeko, Misuma est allé pour Katelinga Lingala. Oh! Est allé, mais toi, tu es allé. Oh, il peut s'amener dans ma tignos. Employé, ton non-employé, mon tignos, oh, il a appliqué à contribuer dans mon mouquier. La fin du mois, pour être mon collègue, Bella. Misuma ezwa swana ye ya malamu na ba opitonyo so ya minene ya République démocratique du Congo. Ce qui malade na yo ba kopi ko traiter ya mo ah na komode Misuma a kozwa charge na yo oke de kozwa swen na ba mboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, donc elle karamingi te na ba mboka mosusu. Ce qui moto oyo Misuma ezwa ki charge na yo na ba swen tambe a kamati molimo na ye. Misuma a consacré pena mauvais cordia. Après ma défaut, ma salle de banda, ma copine pour adhérer ma défaut à Bangoya. Congo, quoi tu vas sur ta soie, à un bon moment, ma salle. Namisuma, ta santé, c'est ta vie. Vous allez tellement ébeler, Bayimbo Kaobozuli Bako Randabiso de partout dans le monde avec une attention tellement soutenue, ce qui démontre à suffisance l'intérêt que vous avez toujours porté à votre site www.congofrance.com. C'est aussi un grand plaisir, particulièrement pour moi, mais aussi pour la grande équipe de Congo France qui accepte de nous accompagner pendant tout ce temps en vue. Il y a Robert Alisolo, il y a Oezo Kolekana, la République démocratique du Congo. Ngai Molobeli Nabino, j'espère la bunda, Sinzili Amboka, j'ai le devoir de vous informer et de vous donner mes réflexions à tout moment que l'actualité est en train de brûler ici en République démocratique du Congo. Nganabino, Tolandaki, procès il y a 100 jours, il y a Sikanini, directeur, il y a cabinet, il y a chef de l'État, Vita Kamere et Lwakaningeni Kingi, na Ndeko Jamal, PDG, il y a Samibo, na Ousmal, na Ndeko Jano Mouima, kuna na prison centrale à Makala, bah, pour poursuivre procès na Bango Kuna en rapport avec dossier à maison préfabriquée, mais aussi dossier à concession. Oye sali bon na bedengalema, oye ndeko Jamal, apesa entre guillemets, na Soraya Mpiana. Et aujourd'hui, vous avez été tellement nombreux à nous appeler, à nous faire parvenir vos questions, mais aussi vos suggestions. Pour na kulokoye ba, makanisinebiso ba imboka ezalinini. Qu'est-ce que nous pensons de ces procès et comment est-ce qu'il évolue? Parce que bon, on a qui ont très bien à l'issue, il y a audience, il y a le 3 juin, le président, le juge président, il y a tribunal, le Bakibongo, par rapport, il y a des mondes, il y a remise en liberté provisoire, il y a Ndeko Vita Kamere, chambre des conseils, il y a Kouvanda, il y a Mekampe pour analyser le dossier en rapport avec évolution, il y a instruction pour que Baïbané Maroko décide. Il est bien que vous avez suivi avec moi comment est-ce que le procès, l'audience s'est déroulée. Je vous dis, fidèles téléspectateurs, Ezali na bato ba souhaité ki balanda procès on a télévision pour na comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement na dossier à 100 jours. Biso ba imbo katozala ki awa na ba émission précédente sur Bolani pour se rendre compte que Tobetara, c'était par rapport à la gestion et à la res publica. Comment est-ce que la chose publique est gérée? Comment est-ce que, et si Kaba Tchéyo, Rokosa, la Moussala, pour que on rencontre l'aspiration le plus profond de Yabayimboka?
C'est ça la grande question. Et aujourd'hui, nous venons de constater, d'entrée de jeu, je signale que nous avons constaté que le pays est géré de manière désordonnée. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'espère la bunda molobelia peuple, sinzili mboka. Pourquoi est-ce que directement au coquille qu'on accusé ba autorité mboka que baro gérer mboka de manière désordonnée? Mais effectivement, les faits sont tellement légion. Boyoki ba déclaration, boyoka ki ba déclaration, ba témoin, ce qu'ils ont dit. Il y a eu des témoins à charge, il y a des charges. Mais ce qui m'a intéressé au cours il y a audience il y a lobby le 3 mai, le 3 juin, excusez-moi, fidèles téléspectateurs, amis internautes de Congo France, c'est qu'il y a eu l'intervention très musclée du conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'économie et des finances, M. Marcel Bilomba. Mon amboka Marcel Bilomba était venu, il a dit ce qu'il a dit. En rapport avec l'observation, on a tout autour, il y a projet à son jour. D'abord, il a dit en commençant que ces projets, c'était de la poudre aux yeux. Il a qualifié le projet à son jour du chef de l'État d'inutile, d'escroquerie. Je suis tenté de me poser cette question. Le projet a été déposé, a été exposé, présenté à la nation, à l'opinion nationale, le 2 mars 2019. Le chef de l'État accède à la magistrature suprême le 24 janvier 2019. Le 2 mars, Mokonzi Mboka a présenté programme d'urgence et à son jour. Et de tous les intervenants, de tous les témoins qui sont passés, Bangonyo Sobalobi, projet wana ba participer na conception na yangote. Tant mieux. Qui a conçu ce projet? Tous jettent la balle au directeur de cabinet du chef de l'État, Vita Kamere Lwakaningini Kingi, que c'est lui qui a conçu ce projet. Excusez-moi de mettre un peu une parenthèse par rapport à Yandeko. Peter Kazadi, quand il dit que nous avions été invités dans une salle. Dans une salle de réunion, on nous a projeté les images. On s'est arrêté là, juste après, n'a participé à une réunion de société. Alors que Moussa, là-bas, on a niveau la coordination, c'est-à-dire que ça l'a suivi permanent. Il y a différents projets, c'est-à-dire qu'il y a un dossier à son jour. Il y a Tata Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 5e président de la République démocratique du Congo. Mais alors, une autre parenthèse, les financiers, les comptables publics, les comptables d'État, l'a déclaré tout haut que Azalina, document, vous avez quoi attester qu'il a payé à 4 reprises les participants ou encore les membres de la commission chargée de suivi de ce programme d'urgence du chef de l'État. Peter Kazadi l'a dit. Qu'il n'a participé qu'une seule fois. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on peut participer une seule fois à une réunion, mais on touche l'argent 4 fois. On est payé 4 fois en tant que membre de la commission de la coordination de ce programme d'urgence du chef de l'État. Mais Marcel Bilomba, pour revenir à ses compatriotes congolais, le monsieur, là où il m'a plu, là où j'ai trouvé qu'il était intéressant, c'est lorsqu'il signale. Alors, est-ce que c'était une priorité à la maison préfabriquée? Il est le conseiller du chef de l'État en charge des finances et de l'économie, bien entendu. Mokonzi Mboka a présenté le programme le 2 mars. Après la présentation du programme, je pose la question indirectement à partir de Bino Bayimboka par respect et considération. Grand respect. Grand respect. Monsieur le juge. Mais après la présentation de ce projet, qu'a-t-il fait? Quelle a été son intervention auprès du chef de l'État? Parce que c'est lui qui analyse la situation économico-financière générale en vue de l'exposer au chef de l'État pour une décision finale.
C'est ce qu'on nous a fait comprendre hier dans l'audience. Mais comment est-ce qu'on pouvait laisser le chef de l'État s'engager dans un projet à Poussani, basso des moutons engagés? Parce qu'il faut le dire, fidèles téléspectateurs, au-delà des sauts des moutons, maisons préfabriquées, il y a eu la construction et la réhabilitation de routes. Nakata programme d'urgence à chef de l'État à 100 jours, fidèles téléspectateurs, il ne faut pas ignorer. Kakanakat, il y a programme où il y a eu la construction de ponts pour la connectivité des entités, pour que bah relier ma province, bah relier ma territoire, ma ville, il y en a eu. À Maniema, on en a Sud Kivu. Il y a eu des travaux qui ont été entrepris et réalisés. On ne peut pas l'ignorer, fidèles téléspectateurs. Marcel Bilomba insiste sur le fait qu'on pouvait aussi donner ces marchés aux ingénieurs congolais. Batonga bandaku na brique na ciment na place à consommer ma maison préfabriquée. Il y a encore une révélation de taille. L'argent qui a été transféré sur le compte, dans le compte, excusez-moi, il y a Ndeko Samibo, et ça, na montant, il y a 66 millions d'euros. Oh là là, moi, mes cotisés, l'eau. Alors que le juge, alors que les ministères publics, des concerts avec la partie civile, Bavanda qui a 57 millions. Mais il y a encore un surplus que nous apporte le conseiller principal du chef de l'État en charge à l'économie et la finance. D'où tire-t-il tous ces éléments? De la Banque centrale du Congo, bien entendu. Observation de tous les intervenants, de tous les témoins, je suis tenté de croire que c'est M. Marcel Bilomba qui aurait poussé la présidence de la République à l'audit de ce programme d'urgence de son jour du chef de l'État. Parce qu'il maîtrise par cœur tous les éléments. Il l'a dit hier qu'il produisait 50 notes techniques par semaine. Ce qui est une très bonne chose. Mais Mokonzamboka a bandé koyo ka été. Malgré cela, Mokonzamboka réactionne à la kinini. Ou bien, ce n'est qu'un conseil principal de façade. Ou encore, Azali Moutoua Kosala Moussala réellement permet à Mokonzamboka. Parce qu'on engage le saut de mouton, on engage le projet des maisons préfabriquées. Mokonzamboka Kiti Koutou Nakanchach, il apprécie le travaux exécuté par l'entreprise Samibo. Il demande à ce qu'on puisse remettre le marché à la même entreprise de sorte que bah, poursuivre montage à ma maison préfabriquée, bah, pèse en bas soldat, bah, pèse en bas policier. Jamal Alobi, je n'ai pas détourné l'argent. Jamal Alobi, la marchandise est dans le port. C'est l'État qui n'a pas pu dédouaner toutes ces marchandises. Qui dit vrai? Tout à l'heure, il y a un processus d'instruction. Il y a un dossier. Et je parie que le jour à venir, le 11 prochain, le 11 juin prochain, Nathan a appelé Edouard Mounam Dakoubimisaye Mandoki. Parce que baby, après avoir suivi ce spectacle à la télévision, nous constatons que l'État, la chose publique, est gérée de façon légère. Pourquoi utiliser Mboka, Mboka? Comment ça? C'est grave. J'insiste bien en disant que c'est grave. Parce qu'au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe à la DGARCA, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa? Au Romona, parce qu'il y a des réalités, hein? Moi, je suis tenté de me dire, que procès à Vita Kamere, c'est une voie qui ouvre une série de procès. Dossier Zaïbeli, tu besta ba dossier à Bukangalonzo, awa na plateau ouyou. Tu souleva dossier ya. Construction, il y a immeuble intelligent. Donc, bêta dossier FPI, ah, on a plateau, ah. Il y a tellement beaucoup de choses. Oyo, justice, c'est pour mon ami. Parce que lorsque nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Manazali, j'espère la bunda molobelia peuple, sinzili mboka. J'ai ce travail. J'ai ce travail d'encourager là où la justice fait son travail.
là où c'est bien fait et de dénoncer là où on fait la promotion des antivaleurs. Tokoki ko continuer les sous-souter na promotion ya buzoba. Il y a des ordres de vivre à l'année intérieure. Ça, c'est un nouveau régime. C'est toute la nation congolaise, en octroyant sa confiance au chef de l'État, qui repose ses espoirs sur les épaules de l'autorité suprême de la République. Je vais paraphraser Ndeko Moïse Katumbi Chapo qui a dit « Au-delà de tout, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devra rendre compte en 2023. » Ce n'est pas Vita Kamerhe, c'est moins encore Joseph Kabila. Une justice équitable, c'est celle qui aboutit à la manifestation de la vérité. Et ce que nous devons savoir, c'est que, au-delà de tout, le peuple congolais commence à comprendre. Yona nyoko loba mon peuple congolais, nga nazali molobeli ya peuple, je suis mandaté. J'ai été mandaté par ce peuple. Donc, pas trop de commentaires à faire là-dessus parce que nous constatons que Nathan a plaidoirie. Mais toutes les parties vont représenter moyen de défense. Le ministère public a le besoin de mando ya robimisa. Le parti civil a le besoin de bomba roboaka. Parce que, Ekoinda, nandenge pea, Vita Kamerhe lokaningi ne king a le besoin de vende kimiate. Vita Kamerhe lokaningi ne kingi aura aussi ses moyens de défense à présenter. Parce qu'au-delà de tout, ce que moi je peux dire, c'est quoi? C'est que, j'ai entendu quelqu'un dire que procès au il y a 100 jours à chef de l'État, il y a un match à Barça, n'a rien à l'ingi. C'est vrai, toko ke l'ingi à Rolanda. Mais tu comprends, si ma makambo yon se toko landa oyo. Parce que l'argent du pays, comment est-ce qu'il est géré? Comment est-ce que mbon ambo ke bimaka? Tu quoi prendre yon sote? Baloba ki 57 millions. Conseil principal a mis 66 millions de dollars. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Vous allez vous rendre compte que dans les hôpitaux, il y a l'État, l'élo, la RDC, la République démocratique du Congo. Moutoyer a zana malade. Pour n'a aussi, mais bako se nga mbongo, ba simba moutou pamba. Je suis tenté de me poser cette question. Au-delà de ça, ce sont des millions de dollars qui sont volatilisés. C'est l'argent du pays, j'insiste bien, qui est jeté par la fenêtre. Mais excusez-moi, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Parce que le panier de la ménagère n'a pas été armé à tout moment. J'ai continué à insister que le panier à maman est là que vous allez vide. Le dollar est commun à 20 000, 10 dollars, 20 000. Transport passé. La situation du pays est catastrophique. Le peuple congolais vit la misère dans la chair. Donc, il y a de ceux qui roulent carrosse, fument cigare, mangent caviar, avec des millions de Congolais. Je poserai la question. Ici au Congo, Sonas, excusez-moi parce que Toraki Lobby, Daniel Massaro, il est agent de la Sonas, 322 000 de dollars, parcelle et consort. Mais pour faire les fiscs, pour réunir les fiscs, on a Sonas, mais réunir les fiscs, un compte de 5 000 dollars, c'est pas moins de 2 ans. Aujourd'hui, 500 dollars dans la banque, tant aujourd'hui, on a un peu de chauffer. Nivellement par les bas, on a un peu de chauffer. On a un peu de chauffer. Au ticket à 50 dollars, tu dois payer la maison, tu dois payer la scolarité de ses enfants, il faut laisser sa bango, il faut moins d'accueil malade, il faut qu'il y ait un hôpital. Avec tout ça, il y a des individus véreux qui se promènent avec des millions de dollars, il y a Bayimbok. Et vous pensez que moi, j'espère la boune dans mon lobe, les peuples, je peux rester bouche cousue dans l'obélo au moroté. J'insiste en disant que la justice devra faire son travail comme il se doit. Sanctionner, punir sévèrement, à la hauteur de la loi. On ne peut pas accepter ça. Le dossier, c'est les billets. À tout moment, j'insiste et puis je persiste en disant que le dossier à Vita Kamerhe, il porte ses fonds. Tant que tu es dans la chambre, il y a 200 millions d'Albert Yuma. Tu es un annexe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le couloir, il y a FPI. Tu es dans la zone.
na chambre ba voisin construction et immeuble intelligent 350 millions de dollars. On est où là? Est-ce que cet immeuble était budgétisé? Est-ce que la construction de cet immeuble était une priorité? Je suis en train de paraphraser quelqu'un qui a dit ceci. Je cite. Tango boko sala makambu. O itali neta. Boye ba que vous devez rendre compte au peuple congolais. Les citoyens lambda n'a pas sa part na kata marambu nyonso. On se retrouve pas parce que le bam soit koloba soit quand vita kamere, qu'est-ce que ça va profiter na mboka? Ceux qui va libérer Vita Kamere, qu'est-ce que ça va profiter na mboka? Mais nous avons besoin parce que Vita Kamere continue à plaider son innocence et jusque là il est jouir na présomption innocence. Il n'est pas encore condamné, il n'a pas volé, il n'a pas détourné. Qu'est-ce qu'il prouve? Mais dans la lure vont les choses. Nous sommes tentés de croire que Bazouzi ba okene na procès oyo na ndenge longo bani parce que na lobaki ngwa na bandele ya émission que un procès équitable, une justice qui fait son travail dans le respect des textes finit par aboutir à la manifestation de la vérité. Toi na pas toi ba vérité, na na yibimbonga ba imboka. Nana détourné. Et le chef de l'État, Vita Kamere l'a dit, j'insiste, je rappelle ça ici, Vita Kamere l'a dit, je préfère me rester en prison que exposer les annotations du chef de l'État. On peut comprendre par ricochet que Vita Kamere avant qu'on approbation à Mokonzamboka au fur et à mesure que dossier maintenant qu'on sait poursuivre. Qui trompe qui? Est-ce que tu es au niveau de Mokonzamboka? Je ne pense pas. Mais tout ce que nous voulons, c'est que Bazouzi Bassala Moussana Bangona Ndenge Longobani, tu es la vérité. Faut que tu es la vérité. Naba opito baseren kozanga. Banzela lelo na kitsa banzela mabule za combien? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui se promènent avec des millions de dollars et qu'on sort. Je vous laisse, madame, messieurs, sur la soif pour comprendre est-ce que le 11 juin prochain est aux Alabons aux plaidoiries. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Un grand merci à Didi Dipumba, le patron de Congo France, pour l'attention, mais aussi la confiance sans cesse renouvelée. Un grand merci à toi, Chris et Kenzo, au niveau du montage. Un grand merci à la grande équipe de Congo France qui m'a accompagné. Un grand merci, Nabi Nyonyo Sobayimbo, Nabi avec beaucoup d'attention. Nous sommes vos esclaves. Nous sommes vos travailleurs. Toko sala musala ndenge elongo bani soki bino botsengi soko sala ndenge bolingi. Parce que la moindre de choses c'est de vous rendre compte. Biso moto ko rendre bino compte ba police ba komo rendre biso compte après tango yindeli bango. Restez branchés chez vous. Avec le même plaisir, je vous retrouve très prochainement. Merci. Congo France. Site ya Congo Masola dans Masola Kitoko Congo France Congo.